ce soir, j'étudie avec le papa. Et puis là, pour étudier, c'est le moment. On va réviser, ok. Ouais. Alors ça, lire, dire, écrire avec le dos. Je vois, je dis. Ça, c'est quoi? A minuscule. A majuscule. Une fois aussi, encore. Là, c'est quoi? A minuscule. Et là? A majuscule. Ok. Je vois, je lis. Là, c'est quoi? A minuscule. Et là? A majuscule. Et là? A minuscule. Et là? A majuscule. Bravo. C'est bien. Je retiens les noms des personnages. Ok? Là, c'est qui? Ludo. Et là? Nina. Et là? Léo. Et là? La maman de Ludo. Et là? Le papa de Ludo. D'accord. Je vois, je dis. Je vois, je dis. I minuscule, I majuscule, I minuscule, I majuscule. Bravo. C'était un film. Là, tu vois, tu as dit que tu avais peur que j'étais en face des répétitions. Parce que tu ne vas pas me chuter. Tu vois que je te tape pas. Hein? Mm-hmm. Tu sais, je t'ai jamais tapé. Papa. Hein? On continue. T'as dit qu'on est concentré. D'accord. Je vois, je lis. Achille, éteins la télé là-bas. Je vois, je lis. Tu vas attention que l'autre, tu risques de faire du mal. Là, c'est bon. A minuscule, I minuscule, A majuscule, A majuscule, I majuscule, I majuscule, A minuscule. Bravo. Tu vois, quand tu dis bien, tu as droit à un bisou au front. D'accord? Est-ce qu'il te plaît le bisou au front? S'il te plaît. Pourquoi? Concentré. D'accord. J'observe la langue. Ok. Là, c'est quoi? Ludo. Ludo. Encore? Ludo. Ludo. C'est quelle lettre ici? L. Ça, c'est quelle lettre? U. Ça, c'est quelle lettre? D. Et là? O. Ludo. Comment s'appelle ce qui est entouré? Ludo. Ludo. Bravo. On tourne la page. Ouais. T'es prête? Oui. D'accord. J'écoute une histoire à la récréation. Comme tous les matins, Madame Hulotte, la maîtresse de CP, interroge les enfants car il n'a pas appris. Interroge les enfants sur les mots du jour. Léo est très ennuyé car il n'a pas appris la leçon et il ne sait pas quoi répondre. Il a beau chercher dans sa mémoire, rien ne vient. Il a maintenant peur que Madame Pilote ne s'impatiente. Heureusement, Monsieur Grosloup, le directeur de l'école, sonne la cloche de la récréation. Au signal, tous les enfants sortent des classes comme une volée de moineaux. Tu sais ce que c'est que les moineaux, hein? C'est quoi les moineaux? C'est des oiseaux. Oiseaux. Ouais. Allez, fais attention au crayon, tu risques de manger chez moi. Certains s'assoient dans un coin pour goûter. D'autres se cachent derrière les troncs des grands marronniers. D'autres encore se précipite aux toilettes. Sans doute ont-ils eu un peu de mal à se retenir pendant la classe. Dans un coin de la cour, Lily et Kenza sautent à la corde. Simon échange des cartes avec Zig. C'est Zig, hein? Ouais. Zig. Philou se dispute déjà avec un plus petit. Les plus grands jouent au ballon. Ludo et ses deux amis, Léo et Samy. Samy, hein? Comme Samy, c'est le petit lapin. Ouais, Samy, le petit lapin. Ont décidé de jouer ensemble.
Si on jouait à chat perché, propose Samy. Bof, répond Léo. Il n'y a pas assez d'endroits où grimper dans la cour. Ce n'est pas rigolo. Et à un, deux, trois, soleil, ajoute Samy. Ce n'est pas très amusant. Dis Ludo, je préfère les jeux où l'on se poursuit. On a dit, je vérifie que j'ai compris. Qui est Monsieur Grosloup? On demande qui est Monsieur Grosloup. Monsieur Grosloup, c'est le directeur. Le directeur, d'accord. Comment s'appellent les deux amis de Ludo? Ludo et Samy. Ludo et Samy. D'accord. C'est bien. Quels sont les deux jeux que propose Samy? Samy? Oui. Samy, je ne sais pas si... Dans un coin de la cour, Lily et Kenza sautent à la corde. Simon échange des cartes avec Zig. Philou se dispute déjà avec un plus petit. Le plus grand joue au ballon. Ludo et ses deux amis, Léo et Samy, ont décidé de jouer ensemble. Si on jouait à chat perché, propose Samy. Alors, Samy propose de jouer à quoi? Chat perché. À chat perché. Ah, c'est ici en haut, tu vois, à grimper. Sur les meubles, comme tu fais souvent ici. D'accord. Alors, quels sont les jeux que propose Samy? À jouer à chat perché. Et à 1, 2, 3, soleil. Alors, Samy propose combien de jeux? Deux. Le premier jeu, c'est quoi? À chat perché. À chat perché. Et puis à 1, 2, 3, soleil. Bravo. Pourquoi Ludo et Léo ne sont-ils pas d'accord? Ludo et Léo? Il dit Ludo et ses deux amis, Léo et Samy. Il dit, dans un coin de la cour, Lily et Kenza sautent à la corde. Simon échange des cartes avec Zig. Philou se dispute déjà avec un plus petit. Les plus grands jouent au ballon. Ludo et ses deux amis, Léo et Samy, ont décidé de jouer ensemble. Tu vois? Bof répond, et si on jouait à chat perché, propose Samy. Bof répond Léo, il n'y a pas assez d'endroits où grimper dans la cour, ce n'est pas rigolo. Il n'y a pas assez d'endroits où grimper dans la cour. Pourquoi Ludo et Léo ne sont-ils pas d'accord? Parce qu'il n'a pas assez d'endroits et il n'a pas assez de meubles. Oui, donc il n'y a pas assez d'endroits pour grimper dans la cour. Mais ici, il y a beaucoup d'endroits. Oui, on a l'espace pour grimper. Mais fais attention pour ne pas te casser les pieds. Sinon, parfois, tu t'es fait mal. Hein? Tu sais ça? Je me suis fait mal là. Oui, plusieurs fois. Et là, tu vois, ça me gâte un peu ton pied. Et là, c'est trop laid. Ou c'est le lait, c'est moche. Hein? Mmh. On dit en français, c'est lugubre. Lugubre, c'est. Iii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 
celui. L'autre prend encore le cahier de l'autre. Oui. C'est-à-dire on s'échange les cahiers. Ouais. Voilà. Donc échanger, c'est je prends pour moi, je donne à l'autre et je prends pour l'autre. Ouais. C'est ça. C'est ce que je viens de dire. Oui. Bon, mais échanger aussi en français, on peut aussi dire discuter avec quelqu'un. C'est-à-dire dire, Jemima, est-ce qu'on peut échanger ensemble? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut causer? Hein? La blague, peut-tu? Bisous. Merci, mon amour. Interroger, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Passe la parole. Non, interroger, c'est poser des questions à une personne. Par exemple, Jemima, comment était ta journée, ta nouvelle classe de CP? Interroger, ça veut dire... Si c'est la maîtresse, je t'interroge. Oui. Ça veut dire comme ça. Elle te pose une question. Ouais. Pose une question et tu dois répondre. Oui, exactement. Ouais. Est-ce que la maîtresse t'interroge souvent en classe? Oui. Elle te demande souvent quoi, par exemple? Elle me demande 3 plus 9. Je réussis. Hein. 3 plus 9, ça fait combien? Hé, hey, papa, je réussis. Attends, 9. 3 plus 9, ça fait 12. Mais moi j'avais oublié, j'ai répondu ça. Ouais, c'est 12 ans. Ouais. Viens t'asseoir. Ce que moi j'ai dit. Viens t'asseoir, on n'a pas fini. Précipiter, c'est quoi? Comme je fais. Je fais comme ça. Oui, très bien. Se précipiter, c'est aller vite. Ouais. C'est être pressé. Donc, courir. Voilà. Bravo. Je m'exprime, à quoi préfères-tu jouer dans la cour? Comme Léo, il n'a pas aimé les jeux que ses amis ont dit. Et toi, tu préfères jouer à quoi dans la cour? Moi, dans la cour, je préfère jouer à 1, 2, 3 soleils ou à chat perché. D'accord. Ou à la princesse. D'accord. Bon, le savais-tu? Autrefois, les garçons et les filles n'étaient pas dans la même école. Est-ce que tu le savais? Tu le savais? Qui te l'a dit? Pas à l'école. Tu vois, avant, les filles et les garçons ne fréquentaient pas dans la même école. Il y avait l'école des filles à part et l'école des garçons ensemble, à part. Bien. Hein? Comme dans deux classes. Mm-hmm. Moi, je suis dans la classe B. Oui. Ma copine est dans la classe A. Oui. Ça veut dire qu'on n'est pas de la même classe, mais on est dans la même école. Exactement. Ouais. Bon, mais ici, ils n'étaient même pas dans la même école. Ouais. Ils étaient dans deux écoles différentes. Comme Chara et moi. Oui, d'accord, exactement. Moi, c'est à Fustel. Oui. Chara, je ne sais pas si elle est au collège. Oui, elle est au collège. Ok. D'accord. Ok, donc on a fini aujourd'hui. Et je pense que tu vas juste faire... Tu vas écrire ça, tu vois. Il y a la lettre I que tu dois finir. Mm-hmm. Où est ton crayon? Il m'a permis de dessiner. Oui, et regarde, tu dois reproduire ici I et puis tu dois reproduire ça A Nana. Tu vois, ça c'est A Nana. Tu vois, viens. Viens. Assois ta tête. Regarde, tu vas dessiner I. Hein. Tu fais I. T'as vu? Jemima, s'il te plaît, concentre-toi. On a dit que tu te concentres, ok? Ça, c'est I. Hein. Ça, c'est quoi? Ananas. Ananas. Et là, c'est quoi? Il. Tu connais ce que c'est qu'une île? Jemima, arrête. Tu sais l'île? Tu sais ce qu'on appelle l'île? Tu sais une île? C'est quoi une île? Une île, c'est où on est tout seul, mais il fait souvent chaud. Non. L'île. Attends, dis-moi, assure-toi, s'il te plaît, je suis fatigué, assure-toi. Pourquoi tu n'arrives pas? Regarde. L'île, tu vois, lorsqu'il y a la mer, et dans la mer, il y a la terre, avec des jolis palmiers, avec du sable blanc, cristal. C'est ce qu'on appelle l'île. Donc, c'est un village qui est dans la mer. C'est une portion de terre qui apparaît au milieu de la mer, tu vois. Les gens habitent sur cette terre. On l'appelle l'île. Comme la cribi. Il y a laissé la cribi, bientôt. Il y a laissé, bien sûr.
Ok, d'accord, on va couper. Donc, tu vas